Du plafond du bunker pendait une chaîne en partie enroulée autour d'une poulie. À son extrémité inférieure se trouvait un gros crochet de fer courbé. On me conduisit sous l'appareil. Le crochet fut passé dans les liens qui tenaient mes mains attachées derrière le dos. Puis, on me hissa avec la chaîne jusqu'à ce que mon corps pende à environ 1 mètre du sol. Suspendu ainsi par les mains liées dans le dos, on ne peut se maintenir à la force des muscles qu'un très court moment seulement, dans une position proche de la verticale. Pendant ces quelques minutes, alors que l'on a déjà dépensé ses dernières forces, que la sueur vous coule sur le front et sur les lèvres, et que le souffle se fait court, on n'est plus en état de répondre à aucune question. Complice, adresse, point de rencontre, c'est à peine si l'on entend encore. La vie, alors concentrée tout entière en un seul endroit très circonscrit du corps, en l'occurrence les articulations des épaules, ne réagit plus parce qu'elle s'épuise totalement à rassembler ses forces. Mais un tel appel d'énergie ne peut durer longtemps, même chez des êtres de forte constitution physique. En ce qui me concerne, je dus abandonner très vite. C'est à ce moment que se produisit dans le haut de mon corps un craquement et une déchirure que mon corps, à ce jour, n'a pas encore oublié. Je sentis mes épaules se déboîter. Le poids même du corps avait provoqué la luxation. Je tombais dans le vide et tout mon corps pendait maintenant au bout de mes bras disloqués, étirés vers le haut, par derrière et retournés jusqu'à se retrouver par-dessus ma tête. Torture, du latin torquere, tordre. Quelle leçon de choses par l'étymologie. En même temps, les coups assénés avec le nerf de bœuf pleuvaient dru sur mon corps et nombre d'entre eux transpercèrent purement et simplement l'étoffe légère du pantalon d'été que je portais ce jour-là, le 23 juillet 1943. Il serait complètement absurde de vouloir décrire ici les douleurs que j'ai ressenties alors. Était-ce comme un fer brûlant plongé au creux de mes épaules, ou bien comme si l'on m'avait enfoncé un pieu dans l'occiput? Une métaphore succéderait à l'autre, et finalement nous tournerions désespérément en rond, menés par le bout du nez dans un interminable carrousel de paraboles. La douleur était ce qu'elle était. Il n'y a rien d'autre à dire. La manière dont on ressent les choses est aussi incomparable qu'indescriptible. Elle marque les limites du pouvoir de la parole dans la communication. Celui qui voudrait faire comprendre à autrui ce que fut sa souffrance physique en serait réduit à la lui infliger et à se changer lui-même en tortionnaire.